Magie divine, le monde du surnaturel. En l'an 1791, les habitants de Salon de Provence décident de transférer les ossements du plus célèbre personnage de la ville dans un lieu plus approprié. Plus de 200 ans auparavant, on l'avait enterré comme il le souhaitait, debout, sous le maître-autel de la petite église des Cordeliers dans le centre-ville. Cette exhumation suscite la curiosité générale. Après tout, il ne s'agit pas de la dépouille d'un homme comme les autres, et les récits vantant ses pouvoirs magiques ont fait le tour de l'Europe. On dit qu'il était capable de voir l'avenir. Autour de son cou, on trouve une amulette sur laquelle est gravé le chiffre 1791, c'est-à-dire l'année même de son exhumation. Cet homme s'appelle Michel de Nostradamus, plus connu sous le nom de Nostradamus. Il aurait prédit, entre autres, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'assassinat de Kennedy et la Révolution française. Né en 1503, il fut le plus célèbre prophète du XVIe siècle, la période de l'âge d'or de la prophétie occidentale. Prophétie. Le monde est dangereux et incertain. Combien de fois sommes-nous manipulés par des puissances qui échappent à notre contrôle? Même si certains essaient de savoir ce que réserve l'avenir, la plupart d'entre nous se résignent à l'ignorer. En nous révélant de quoi demain sera fait, les prophètes et les devins nous sauvent de l'incertitude. Ils voient dans le présent non seulement des traces du passé, mais aussi des signes de l'avenir. Mais dans le monde d'aujourd'hui, l'art divinatoire a aussi mauvaise réputation que les autres sciences occultes, magie, alchimie ou astrologie. He's having his fortune told. La divination est considérée comme marginale quand elle n'est pas totalement rejetée. Do not swim in the ocean. That would be fatal. Pourtant, la divination existe depuis la nuit des temps. Et dans les grandes civilisations antiques, elle a joué un rôle essentiel dans la vie des hommes. Son influence ne fut jamais aussi forte que dans la Grèce antique. La Grèce a bâti sa grandeur sur les fondations des cultures primitives, dont elle a conservé de nombreuses traces. D'abord et surtout, les Grecs ont hérité de leurs ancêtres une croyance aveugle en la prophétie. Les prophéties les plus sacrées sont les oracles, les prédictions faites par les divinités elles-mêmes dans un sanctuaire. Le plus célèbre de ces sanctuaires est le grand temple d'Apollon à Delphes. Ce sanctuaire, construit sur les pentes du mont Parnasse, recevra pendant près de 1000 ans de nombreux visiteurs, venus non seulement de Grèce, mais de tout le monde antique. Le personnage central de l'opération est la Pythie. C'est un médium, mais qui n'agit pas par elle-même. En fait, ce sont les dieux qui s'expriment par sa bouche. Before you
avant de pouvoir interroger Apollon, il y a tout un rituel complexe. La Pythie se purifie et entame un travail qui l'amène dans une sorte de transe. Puis elle crie. On ne sait pas exactement ce qu'elle dit, ni comment cela sort de sa bouche. Mais ces cris sont ensuite interprétés par un prêtre. Puis il les traduit en vers hexamètre. Consignés par écrit, ces vers constituent la réponse à la question posée. Lorsque la civilisation grecque s'étend à d'autres territoires, Delphes devient alors une étape obligée sur le chemin de la guerre et de la conquête. Mais les oracles sont souvent trompeurs. Un grand roi, Crésus, demande un jour à l'oracle s'il doit attaquer l'Empire perse. L'oracle lui répond que s'il part en guerre, il détruira un grand royaume. Encouragé par cette prophétie, Crésus se lance dans la bataille. Son armée subit alors une cuisante défaite et le grand royaume qu'il détruit n'est autre que le sien. Mais il est un désastre que Delphes n'a pas su prévoir, sa propre décadence. Avec la montée du christianisme, on voit émerger la croyance en un créateur tout-puissant qui préside à la destinée de l'humanité entière. Les prophètes, comme Abraham, Moïse et Jésus-Christ, vont révéler cette vision au monde et leur message est puissant. Si tu obéis à Dieu, l'avenir t'appartiendra. Mais si tu ignores sa parole, les conséquences seront terribles. Dans les siècles qui suivent la mort de Jésus, le christianisme se répand dans le monde entier et la tradition des prophètes chrétiens se perpétue. Dans l'Europe du XVIe siècle, l'influence de ces prophètes atteint son apogée. Cette époque est également marquée par la renaissance des arts antiques. Alchimie, magie et astrologie se mêlent alors à la tradition chrétienne. Nul n'incarne mieux ces diverses influences que Michel de Nostredame. Michel de Nostredame ne commencera à écrire les prophéties qui l'ont rendu si célèbre que vers l'âge de 50 ans. Mais déjà, jeune homme, il se fait connaître en combattant l'un des pires fléaux qui se soit abattu sur l'Europe depuis un millénaire, la peste. La peste bubonique se répand sur tout le continent, semant la misère et la mort sur son passage. Plus du tiers de la population européenne y succombera. Les gens sont sans défense, ni les prières ni la médecine ne parviennent à enrayer l'épidémie. À 26 ans, Michel de Nostredame devient médecin et selon l'usage de l'époque, latinise son nom et se fait appeler Nostradamus. Il passe ensuite plusieurs années à voyager, en Provence et partout où sévit la peste. Son approche de la maladie est inhabituelle, tout comme sa thérapeutique. Il ne croit pas aux vertus des saignées et prescrit des remèdes dont l'efficacité ne sera reconnue que bien des années après sa mort. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Nostradamus ordonne à ses patients de respecter des règles d'hygiène élémentaires. Or, nul ne peut lui avoir enseigné cela puisqu'à l'époque, on ne possède en Europe aucune connaissance dans ce domaine.
Alors qu'on ignore encore que le manque d'hygiène peut provoquer des maladies, il insiste pour que ses patients dorment dans des draps propres, respirent le grand air et fassent de l'exercice. Grâce à ses conseils, il réussit là où les autres médecins échouent. Bientôt, on parle de lui dans toute l'Europe et plusieurs villes l'appellent à la rescousse. Malheureusement, ses talents de guérisseur ne suffisent pas à sauver sa propre femme et son enfant qui succombent à cette terrible maladie. Aujourd'hui, il est difficile de s'imaginer les souffrances qu'enduraient les pestiférés, mais à l'époque, cette maladie est synonyme d'horreur absolue. Et l'on voit dans les ravages causés par la peste l'expression de la colère divine. Nostradamus va partout où la mort frappe. Quel péché les hommes ont-ils commis? Quel est le message que Dieu veut leur transmettre? Sans doute, Nostradamus s'est-il posé ces questions et a-t-il tenté d'y répondre en interprétant les signes? Alors qu'il officie comme médecin ambulant, ce praticien aux idées avancées vit une expérience qui éveille sa vocation de prophète. Aux environs d'Ancône, en Italie, il croise deux moines sur sa route. Comme on lui demande ce qu'il fait, Nostradamus se contente de répondre « Je dois m'agenouiller devant sa sainteté ». L'un des deux moines, le frère Felice Peretti, n'est encore qu'un novice à l'époque. Mais 19 ans plus tard, il deviendra pape. En 1547, à l'âge de 44 ans, Nostradamus se remarie et s'installe dans une nouvelle demeure et une nouvelle vie. Il transforme son grenier en étude et commence à rédiger des prophéties.
À mon sens, ce changement ne marque pas une rupture avec sa formation initiale, mais au contraire, une continuité. Car à l'époque, l'astrologie occupait une part très importante dans les études de médecine. L'astrologie est fondée sur la croyance selon laquelle les mouvements et les cycles des corps célestes exercent une influence sur la vie terrestre. Pour décrire les effets produits sur la Terre par le Soleil, la Lune et les différentes planètes, les astrologues développent une théorie complexe. Selon cette théorie, l'examen de la carte du ciel pour une période à venir, c'est-à-dire l'étude d'un horoscope, permet de déterminer quelles influences astrales s'exerceront à un moment précis. C'est ainsi que l'astrologie devient un art divinatoire. Au XVIe siècle, la plupart des sciences se réfèrent à l'astrologie, y compris la médecine. En astrologie, on associe différents systèmes planétaires et corps célestes à des parties du corps humain. De la même manière, certaines herbes médicinales et certains remèdes sont liés à des configurations planétaires précises. Ainsi, l'astrologie permet à la fois d'établir un diagnostic et de prescrire un traitement. Mais cette science est avant tout divinatoire, ce qui signifie que les astrologues sont aussi des devins. D'une certaine manière, on peut dire que les études de médecine de Nostradamus l'ont préparé à sa future carrière de prophète. Mais la prophétie et l'astrologie sont deux choses bien distinctes. À la différence des astrologues, dont les prédictions sont fondées sur une théorie, les prophètes prétendent être en relation directe avec l'avenir. La prophétie, ainsi que Nostradamus l'établit dans ses écrits, est une forme de révélation. Seuls ceux qui possèdent l'inspiration divine peuvent prédire des événements particuliers, car eux seuls sont de véritables prophètes. La clé de ce lien que Nostradamus prétend avoir avec la puissance divine se trouve peut-être dans ses origines. Quoique de religion chrétienne, Nostradamus est d'origine juive, de par ses grands-parents paternels et maternels. Ces derniers avaient été forcés de se convertir, car à l'époque, le judaïsme était assez mal considéré. On sait également qu'il a étudié avec son grand-père maternel. Et ses écrits, surtout ceux traitant de sa propre vie et de ses pratiques occultes, suggère qu'entre autres choses, il aurait étudié la Kabbale. La Kabbale est une tradition orale juive reposant sur une interprétation mystique et allégorique de l'Ancien Testament, censée détenir la clé des mystères de l'univers. Les kabbalistes croient que Dieu a laissé en chaque être humain une partie du secret de la création. C'est un peu comme si chacun d'entre nous était porteur d'un fragment d'ADN universel. Le but suprême du kabbaliste est de découvrir les révélations divines qui habitent son âme. Les rituels kabbalistiques comprennent la répétition de mots hébreux, particulièrement des différents noms désignant Dieu, noms auxquels on prête des pouvoirs surnaturels. Au cœur de cette science se trouve l'arbre de vie, une représentation de l'ordre de la création servant de support à la méditation. Les rituels ont pour but d'atteindre un niveau de conscience supérieur qui permet aux kabbalistes de dépasser le monde sensoriel. Ce n'est qu'à ce moment-là
qu'il peut toucher au but suprême, entrer directement en contact avec Dieu. Une fois parvenu à ce stade, les kabbalistes affirment être libérés des contraintes temporelles. Ils peuvent alors formuler des prophéties et évoluer dans le présent éternel, un instant où le temps est aboli. Les écrits de Nostradamus suggèrent qu'il aurait lui-même atteint des états similaires grâce à ses rituels. En présence de la grâce et du pouvoir divin, le présent et l'avenir ne forment plus qu'un. C'est l'éternité, là où tout est dévoilé, limpide. You can picture the scene of Imaginons maintenant Nostradamus assis dans une pièce plongée dans la semi-obscurité. Une semi-obscurité qui a sa raison d'être, car le prophète est contraint de pratiquer son art, un art très dangereux en cachette. À l'époque, en effet, les inquisiteurs traquent les sorciers en tout genre, et même Nostradamus, s'il était découvert, ne pourrait pas jouer de sa notoriété pour éviter la condamnation à mort. Il officie donc dans le plus grand secret et en silence. Et nous savons par exemple qu'il accomplit ses rituels à l'aide d'un bol d'eau, d'un tripode en airain et sans doute aussi de plantes narcotiques qu'il a appris à connaître lors de ses études de médecine et qu'il fait brûler comme de l'encens. Estant assis de nuit, secrète étude, seul, reposé sur la selle d'airain, flambe exiguë, sorte de solitude, fait proférer qui n'est à croire en vain. La verge en main mise au milieu des branches, de l'onde il moule et le limbe et le pied. Un peur et voix frémissent par les manches, splendeur divine, le devin prêt s'assied. Il est très difficile aujourd'hui de se faire une idée des mentalités de l'époque. De nos jours, lorsque l'on va à l'église le dimanche, on entend parler de Dieu. Mais Nostradamus, lui, ne se contente pas de faire de vagues discours sur Dieu. Il voit Dieu. Cette chose était là, devant lui, venait à sa rencontre, s'asseyait tout près de lui et surtout lui prédisait l'avenir de l'humanité, lui dictait des prophéties. En 1555, Nostradamus publie un recueil de prophéties intitulé « Centurie astrologique », qui se compose de quatrains. L'un des textes prédit notamment la mort du roi de France Henri II. Cette prophétie vaudra à son auteur la célébrité. Le lion jeune, le vieux surmontera, en champ bellique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera, deux plaies une, pour mourir mort cruelle. Un an après la publication de ce livre, le roi Henri II participe à un tournoi dans les environs de Paris. Il est opposé au comte Montgomery, beaucoup plus jeune que lui. Ils jouent un moment et se portent quelques coups sans gravité. Puis la catastrophe se produit. La lance de Montgomery, en heurtant l'armure du roi, se brise en deux. L'un des morceaux transperce la gorge du roi et l'autre traverse son aume, qui était en or, lui crevant l'œil et pénétrant dans son cerveau. Son agonie dure 10 jours entiers, puis il finit par succomber à ses blessures.
Ainsi, nous retrouvons le vieux lion décrit par Nostradamus sur le bouclier de Henri. Étrangement, cet animal est également l'emblème du comte Montgomery, qui n'est autre que le lion jeune de la prédiction. Le lion jeune, le vieux surmontera. La prédiction parle de champs belliques. C'est le terrain où se déroule le tournoi. En champ bellique par singulier duel. On retrouve également la cage d'or, c'est-à-dire le home. Dans cage d'or, les yeux lui crèvera. Et le roi fait deux blessures en une puisqu'il est touché à la gorge et à l'œil. Deux plaies, une, pour mourir mort cruelle. Et ensuite vient la longue agonie, la mort cruelle, évoquée par Nostradamus. Même les plus sceptiques auraient du mal à considérer ces troublantes concordances comme de simples coïncidences. Mais très peu de prophéties sont aussi faciles à interpréter que celles de la mort d'Henri II. Ceux qui affirment que telle ou telle prophétie annonce la crise des missiles cubains, la conquête de l'espace ou la chute de l'Empire soviétique sont un peu comme ces vieillards qui cherchent à lire dans les flammes. Ils projettent tout et n'importe quoi dans ces visions, et les quatrains qu'ils cherchent à interpréter sont suffisamment ambigus, nébuleux et complexes pour appuyer leur dire. Néanmoins, il subsiste des exemples frappants et difficiles à ignorer qui poussent encore certains à étudier les quatrains de Nostradamus. L'un d'entre eux porte sur un événement qui s'est déroulé près de 250 ans après la mort du prophète. Lorsque la Révolution française éclate en 1789, Louis XVI et Marie-Antoinette sont rois et reines de France. Louis XVI et Marie-Antoinette, après avoir tenté en vain de conclure un arrangement avec les révolutionnaires, apprennent que leur tête est mise à prix et tentent de s'échapper. Mais ils échouent. En premier lieu, je suppose, à cause de la bêtise du roi, qui refuse de considérer la gravité de la situation. Alors qu'ils tentent de gagner Varennes par un chemin détourné, ils sont reconnus et arrêtés. De nuit viendra par la forêt de Rennes deux pars, Voltort, Erne, la pierre blanche, le moine noir en gris dedans Varennes. Le plus surprenant dans ce quatrain est l'évocation d'un souverain élu. Il faut en effet se souvenir que Louis XVI a été renversé pendant la Révolution française, puis élu roi des Français par les révolutionnaires. Alors qu'à l'origine, il est, comme tous les rois de France, un souverain de droit divin, il devient le premier monarque élu. Est-ce le cap ? Cause tempeste, feu sans tranche. Vers la fin de sa vie, Nostradamus commence à souffrir d'hydropisie. Une nuit de juillet 1566, il appelle un ami à son chevet et lui fait ses adieux. Le lendemain matin, on le retrouve mort. Il avait 62 ans. Aujourd'hui encore, plus de 4 siècles plus tard, on continue d'étudier et d'interpréter ces prophéties. Nostradamus vécut cette période intermédiaire entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine. Une période marquée par la souffrance, les troubles et les bouleversements de toutes sortes. La divination était le seul moyen d'expliquer le fossé entre le chaos régnant sur la terre et l'idéal céleste d'ordre et d'harmonie. Lorsqu'un homme du XVIe siècle observait le ciel nocturne, ce qu'il voyait n'était pas différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui, mais tout était alors chargé d'une signification bien différente. À cette époque,
on considère la Terre comme le centre de l'univers. Le Soleil, la Lune et les planètes gravitent autour de cet univers créé par Dieu pour l'homme, qui occupe une place centrale dans l'ordre suprême des choses. La nature tout entière est chargée de sens. Et chaque créature se voit attribuer un rôle bien défini en vue de l'accomplissement des desseins divins. Au royaume des cieux, Dieu est tout-puissant. On croit alors que les étoiles symbolisent l'ordre et l'harmonie voulus par Dieu, modèle que l'homme doit suivre. Convaincus que leur rôle est de construire une société en accord avec les desseins divins, les hommes ne se sentent pas maîtres de leur existence, libres d'organiser leur vie comme ils le veulent. En fait, ils croient que le respect de la volonté divine leur assurera la paix et l'harmonie et comblera tous leurs besoins. Les paysans sont dans leurs champs, les rois dans leurs châteaux, les planètes au-dessus et Dieu au plus haut des cieux régnant sur l'univers. Mais cet idéal de paix et d'harmonie est très éloigné des réalités de l'époque. Partout sévissent la guerre, la famine, la pauvreté et le chaos. Au XVIe siècle, on considère ces fléaux comme des punitions infligées par Dieu à ceux qui violent ses lois. Tous ces événements naturels sont interprétés comme des signes de la colère divine. Les événements exceptionnels, tels que le passage des comètes, les éclipses et les catastrophes naturelles, sont interprétés comme autant de messages prophétiques. C'est Dieu qui bouleverse l'ordre naturel, enjoignant ainsi à l'homme de le rétablir, sous peine d'avoir à subir de graves représailles. Traditionnellement, l'un des signes les plus fréquents de la colère divine est la naissance d'un animal mal formé. À cette époque, on parle beaucoup d'un animal connu sous le nom de moine veau. Il s'agit d'un veau qui porte la tonsure, ce qui le fait ressembler à un moine. On voit immédiatement dans l'apparition de cette figure un avertissement, une invitation à réformer l'Église. Cette interprétation n'est pas très éloignée de la vérité. Car l'Église, qui est supposée guider les gens dans la voie du Seigneur et se faire l'instrument de la volonté divine, est corrompue. Les prêtres et les évêques vivent dans la débauche, et en cette période de pauvreté croissante, ils s'enrichissent en soutirant de l'argent aux pauvres en échange du pardon de leurs péchés, un impôt sur le salut, en quelque sorte. Beaucoup sont persuadés que des événements tels que l'apparition du moine veau désignent l'Église comme responsable des désordres de l'époque. Un jour, un prêtre allemand, Martin Luther, affiche sur la porte du château de Wittenberg ses 95 thèses dans lesquelles il s'en prend au chef suprême de l'Église, le pape lui-même. Il est immédiatement excommunié. Les actions de Luther marquent le début de la réforme qui, balayant le christianisme médiéval, va donner naissance au protestantisme. Bientôt, Luther engage contre l'Église une âpre bataille dans laquelle la prophétie sera l'une de ses armes les plus redoutables. Dans sa traduction de la Bible, Luther détourne une célèbre prophétie pour attaquer violemment le pape. La prophétie en question annonce l'arrivée de la prostituée fameuse de Babylone, assise sur une bête à sept têtes.
Traditionnellement, le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, est richement illustré, notamment de gravures représentant la mort de la prostituée de Babylone. En septembre 1522, lors de la première publication de la Bible de Luther, on y reconnaît la prostituée de Babylone. Elle porte la tiare, principal attribut du pape. Mais cela ne constitue que le début des hostilités. L'Église riposte et attaque Luther avec sa propre interprétation tendancieuse d'une prophétie biblique. Cette prophétie annonce l'arrivée d'un faux prophète, un suppôt de Satan. Des savants vont même jusqu'à prévoir la date précise de son arrivée. La prophétie est limpide. Le faux prophète, d'après des calculs que personne ne songe à contester, serait né en 1483, date qui correspond bien sûr à la date de naissance de Luther. Dès que Luther commence à semer la pagaille au sein du clergé, faisant figure de rebelle aux yeux de Rome, des écrivains italiens, au fait de ces prophéties, expliquent que Luther n'est autre que le faux prophète dont on annonce l'arrivée. L'Église publie des caricatures dans lesquelles Luther, le faux prophète, apparaît comme un instrument entre les mains de Satan. Les partisans de la Réforme s'empressent d'effacer son nom. Un ami de Luther se serait alors rendu chez la mère de ce dernier pour lui demander si elle était sûre de la date de naissance de son fils. S'il était né en 1483 et non en 1484, ajoute-t-il, au moins aurait-il pu conjurer le mauvais sort. Mais sa date de naissance est le moindre des soucis de Luther. Désormais, il n'est plus opposé à la seule Église, mais également aux réformateurs les plus radicaux. Ces derniers, convaincus que le mal s'est emparé du monde, ne veulent rien moins que détruire la société qui les entoure. Pour soutenir leur vue extrémiste, ils se réfèrent à la Bible elle-même, et plus particulièrement à l'Apocalypse. Le dernier livre du Nouveau Testament est en effet le récit de la fin du monde, une fin particulièrement violente. C'est l'histoire de la plus grande bataille que l'on puisse imaginer, un combat épique entre les forces du bien et les forces du mal, la bataille d'Armageddon. Écrite à une époque où les chrétiens sont persécutés par les Romains, cette histoire annonce la victoire finale de Dieu et de ses serviteurs. Alors, le Christ ressuscitera et règnera ici-bas sur le royaume de Dieu pendant 1000 ans, jusqu'au jour du jugement dernier. Ce règne de 1000 ans sur la terre comme au ciel s'appelle le millénium. Et la doctrine proclamant la venue de l'Apocalypse, le millénarisme. Les chrétiens ont une vision atroce de la fin du monde et font subir à leurs ennemis, non seulement les Romains, mais aussi tous les non-chrétiens, de terribles châtiments. Ils les jettent dans des fosses remplies de soufre et ils meurent brûlés. Les chrétiens, quant à eux, connaissent une fin plus douce. Le jour du jugement dernier, leur corps sera transformé et ils deviendront immortels. Mais en attendant, durant les 1000 ans qui précèdent le jugement dernier, ils conservent une enveloppe charnelle qui ne vieillit pas, ce qui est somme toute assez valorisant. Paix et harmonie sur la terre. La résurrection de Jésus récompense les fidèles d'avoir gardé la foi malgré les persécutions dont ils ont été victimes. Ainsi,
s'achève le dernier épisode de cette grande fable historique et morale. Les bons peuvent prétendre à une éternité de béatitude, tandis que leurs ennemis sont condamnés à subir le châtiment qu'ils méritent. Chez le peuple chrétien opprimé de l'ère romaine, cet épilogue ô combien idyllique a dû éveiller un immense écho. Après la mort du Christ, la petite secte juive qu'est le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain, puis s'étend au monde occidental. L'Église devient une institution riche et puissante qui ne voit aucune raison d'abandonner son pouvoir et ses biens terrestres au jour du jugement dernier. Elle commence à se distancier du millénarisme. L'Église possède en effet de riches monastères, jouit de nombreux privilèges et ses membres ne souhaitent pas le moins du monde renoncer à tout cela. Ils font alors de l'Apocalypse une sorte d'allégorie, et le jour du jugement dernier étant encore loin, le clergé ne songe qu'à étendre son règne sans se soucier de l'avenir ni de ce qu'il se produira 1000 ans plus tard. Mais les prophéties annoncées par l'Apocalypse sont suffisamment vagues pour pouvoir s'appliquer à chaque période de chaos et de corruption. L'Église romaine rejette le millénarisme. Les réformateurs radicaux au XVIe siècle voient dans le désordre ambiant le signe annonciateur de la bataille de l'Apocalypse. À la fin du Moyen-Âge, on croit que la fin du monde est pour demain. Cette période est marquée par de nombreuses révoltes paysannes. Et ces paysans revendiquent des choses très simples. Ils réclament le rétablissement des droits dont on les a privés. Ils réclament de meilleures conditions de vie. Bref, des choses qui semblent tout à fait raisonnables. En marge de ces mouvements, on voit apparaître des prophètes, généralement des hommes cultivés qui ne font pas partie des pauvres et qui prennent la tête de petits groupes. Des plus pauvres parmi les pauvres, des exclus de la société. Ces prophètes vont organiser ces groupes avec le but d'aider Dieu à opérer une transformation du monde. En 1524, en Allemagne, ces groupes de paysans prennent les armes contre les autorités, y compris contre l'Église catholique. Ils luttent pour obtenir de meilleures conditions de vie. Ces paysans révoltés attirent l'attention d'un prédicateur autoproclamé, Thomas Müntzer. Müntzer appartient à la frange radicale du protestantisme. Millénariste extrémiste, il croit qu'il faut combattre les ennemis de Dieu par les armes et préparer le retour du Messie. Sa cible principale est l'Église catholique. En fait, il considère comme des ennemis tous ceux qui contestent son interprétation des Saintes Écritures. Müntzer voit dans la révolte sanglante des paysans la preuve que l'Apocalypse approche. Il réunit une petite armée d'adeptes, leur assure que Dieu est avec eux et les lance à l'assaut du mal, l'Église et l'État. Il se définit lui-même comme le prophète de l'Apocalypse. Comme les pommes pourries sont mûres, comme les élus sont devenus cléments. Le temps de la moisson est proche et Dieu m'a appelé pour la récolte. J'ai aiguisé ma faucille et n'aspire qu'à la vérité. Mes lèvres, ma peau, mes mains, mes cheveux, mon âme, mon corps maudissent les incrédules. Ne vous apitoyez pas sur la misère des impies. Ils mendient et gémissent comme des enfants. Soyez sans pitié. Ne laissez pas retomber votre épée. Müntzer lance ses troupes dans la bataille, certain que les canons du mal ne sauraient les atteindre. Ses adeptes sont rapidement massacrés. Müntzer parvient à fuir, mais il est rattrapé et décapité.
Pourtant, ce détournement de la prophétie à des fins politiques radicales ne prend pas fin avec le XVIe siècle. En 1939, une femme allemande tombe sur un ouvrage de Nostradamus. Ces quatrains, vieux de 400 ans, semblent dépeindre avec une telle précision la situation de son pays qu'elle montre l'ouvrage à son mari, lequel n'est autre que Joseph Goebbels, le ministre de la propagande de Hitler. En l'an bien proche, est-ce l'on nié de Vénus, les deux plus grands de l'Asie et d'Afrique, du Rhin et Istère, qu'on dira, sont venus, crient, pleurent à Malte et costée ligustique. Goebbels, ravi qu'un prophète aussi célèbre ait prévu l'avènement d'Hitler, décide d'exploiter au mieux cette prophétie. On demande à des spécialistes des sciences occultes d'interpréter ces quatrains de manière à ce qu'ils annoncent la victoire de l'Allemagne et donnent une légitimité historique au Troisième Reich. Pour démoraliser les soldats alliés, Goebbels va jusqu'à envoyer derrière les lignes ennemies ses prédictions revues et corrigées. Si un prophète du XVIe siècle avait prédit le Troisième Reich, c'est que la vision hitlérienne d'une Allemagne nouvelle et forte s'inscrit dans la logique de l'histoire. L'accession au pouvoir des nazis ne serait pas un fait du hasard, mais un signe du destin. Pourtant, dans sa prophétie, Nostradamus ne mentionne pas le nom du chef nazi. Dans le quatrain original, on trouve le mot « Istère » et non « Hitler » comme on le dit souvent. Or, « Istère » est le nom que l'on donnait à l'époque au Danube. La prophétie a joué un grand rôle dans l'histoire et elle constitue le fondement de la plupart des religions. Elle a inspiré les rois, provoqué des guerres et façonné les esprits. Les réformateurs politiques et religieux, ainsi que les millénaristes de toutes tendances, s'en sont servis comme d'une arme pour étendre leur influence. Si la prophétie ne répondait pas à un besoin humain profond, jamais elle n'aurait eu une telle importance dans l'histoire de l'humanité. C'est dans les périodes de chaos, au sein des communautés opprimées ou isolées, que les prédicateurs font le plus grand nombre d'adeptes. Ce qui est rassurant, c'est que si l'on parvient à prévoir toutes ces horribles catastrophes, toutes ces souffrances humaines, cela signifie qu'elles sont dans l'ordre des choses et qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Si l'on peut prédire l'avenir, c'est que le destin de l'humanité, aussi accidenté soit-il, n'est pas totalement hasardeux et sombre. Les prophéties donnent un sens à l'histoire, qu'elles transforment en une saga épique et morale à vocation universelle. Chaque homme, chaque chose y a sa place et y joue un rôle défini. Avec la fin du XVIe siècle, la vision médiévale du monde et avec elle la prophétie est battue en brèche. Pourtant, notre conception de l'homme comme élément central de l'univers et notre besoin de donner un sens à l'histoire perdurent. La croyance en la prophétie a sans doute décliné, mais d'une certaine manière, elle n'a jamais totalement disparu. Si l'histoire est un récit, alors elle doit avoir une fin. À l'approche de l'an 2000, la prophétie connaît un regain d'intérêt. La seule prophétie que Nostradamus ait jamais datée précisément est sur le point de se réaliser. L'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi d'effrayeur, ressusciter le grand roi d'Angoulmois, avant, après Mars, régner par bonheur. Au 7e mois de l'année 1999, viendra du ciel un grand chef effrayant pour faire revivre le grand conquérant de l'Angoumois. Avant et après, la guerre régnera au maximum.
Mais cette prophétie de Nostradamus n'annonce pas la fin du monde. En effet, ces prophéties englobent les 1000 ans à venir et même au-delà. L'avenir sera toujours incertain et les prophéties ne sont pas près de disparaître.